Thomas, madame doit se faire tant de soucis. Serons-nous vraiment à la maison ce soir? Maman, je suis fatiguée. Moi aussi, et j'ai mal à mes pattes. Écoutez, ma belle, il est tard et les petits sont éreintés. Je parie qu'on a fait 200 kilomètres. Et moi, je parie qu'on en a fait plus de 1000. Allons, courage, mes petits chéris. Monsieur O'Malley connaît un endroit où nous pourrons passer la nuit. Dites donc, c'est pas trop loin d'ici, monsieur O'Malley. Redresse tes moustaches, petit tigre. C'est juste après la prochaine cheminée. Eh bien, nous y sommes. Duchesse, voilà ma piole. C'est pas aussi chic que le Ritz, mais c'est un endroit tranquille. Ah? Oh non! On dirait que ce vieux 4x4 et sa bande sont pas loin. Oh, des amis à vous? Eh oui, ce sont de vieux potes et ce sont tous des mordus. Des mordus? Qu'est-ce que c'est des mordus? Vous savez, un 4 c'est un mordu du jazz. Un 4x4 c'est un chanteur qui chante sans dire les paroles. On va ailleurs, Duchesse? Oh non, non, non. Je tiens à voir votre piole et à connaître ce 4x4. Bon, d'accord. Hé, hey, 4x4, envoie-nous un peu de ta musique douce par ici. Visez son livre, ce vieux matou de Thomas est revenu dans le secteur. Un peu de sweep, papa. Serre-moi la patte, 4x4. Ouais. Buonasera, paisano. Welcome chez toi, O'Malley. Duchesse, c'est le plus grand des 4x4, des chanteurs de rock. Oh, je suis enchantée de vous connaître, monsieur 4x4. Moi de même, Duchesse. Ce que vous êtes belle. Oh, vous êtes un charmeur. Et votre musique est si différente, si stimulante. C'est pas du Beethoven, maman, mais Strokla, ça rebondit. Oh, ce petit minou, il en connaît un trop. Now if you want a role model of a life most blissfully led, then look no further than Pumba here, than this laid-back quadruped. Relaxation's the name of the game. Be cool and be thick-skinned. Let my lifestyle be your reference frame. As long as you stand upwind, your guide must be this rhapsody. I get up when I like. He's got it all worked out. I plan the day ahead. He's got it all worked out. An inspiration strike. He's got it all worked out. I go right back to bed. He's got it all worked out. But though he may not be one of nature's dynamos, his mind is on the ball and far from comatose. Don't dismiss the warthog philosophy. Take it from me. He's got it all worked out. From me. He's got it all worked out. I'm starved. Me too. What's for lunch? Glad to ask, kid. Should we tell him, Pumba? Ah. Now listen to this. This is the important part. Now who wants to be a hunter, chasing food all over the place? More often than not, it gets away. Who needs the thrill of the chase? Why move mountains to get your chow when you only need to move the log? Make it your dietary resolve from now to eat like the old warthog. We got his food, his attitude. His bunks for every meal. I got it all worked out. So full of vitamins. I got it all worked out. No need to cook or peel. I got it all worked out. Eats a bit less skin. And delectable, available, the perfect snack. They ain't endangered species and they don't fight back. Don't dismiss the warthog gastronomy. Take it from me. Take it from me. Take it from me. He's got it all worked out. Come on, kid. It's now or never. Hit it, Pumba. So remember when you see us staring into space. Between a pillow and a saucer plate. Don't dismiss the warthog mentality. Take it from me. Take it from me. Take it from me. Take it from me.
qui se passe là? Je ne fais qu'obéir à vos ordres, monseigneur. Fermeture à 10h. Il est 10h. Autorisation de réouverture accordée! Cool! Super cool! Allez-y, suivez-moi, dépêchez-vous, avant que ça ferme. En passant par là, vous ferez pas de mauvaises rencontres. Ah, génial. C'est une carte que Max a dessinée. Avec sa patte lézard, vous arriverez tout droit chez M. Bernie, que tu me manques, je peux le comprendre. Que tu me fasses risquer ma vie pour récupérer une cassette, je pourrais l'admettre. Mais que tu te serves de mon secret pour m'effrayer, je ne saurais. C'était quoi ce cri monstrueux? C'est rien, c'est sûrement Darkos qui nous fait une petite prise. Tu crois que Max les retiendra assez longtemps? Max est un sacré baratineur, mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Allez, venez. Lui faire confiance? Comment tu peux faire confiance à un type? Oh, attendez-moi là! Commence pas, Betamèche. Avance et tais-toi, s'il te plaît. C'est quoi ce grognement? Quel grognement? J'entends rien. Arrête, Célinia. Je sais que tu dis ça pour me faire peur. Dis-moi ce que c'est. C'est le Yeti. Oh non. Il grogne parce qu'il l'a réveillé. Mais Bernie, il y a des kilomètres de canalisation là-dessous. Corneille, tu descends là-dedans et tu ne reviens pas avant d'avoir retrouvé mon argent. Pars très loin et ne reviens jamais.